Qu'est-ce que tu dirais que tu as gagné avec ta maturité, avec ton évolution ? J'ai de plus en plus de doutes, mais le doute constructeur. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins sûre de moi, comme j'étais une battante autrefois. Oui, papa, papa, etc. Là, c'est fini, bien entendu. C'est plus calme, en disant... Bon, tout est fragile, tout est tellement de plus en plus fragile. Et cette fragilité, eh bien, me construit de jour en jour un peu plus dans une sorte de voie que je me suis tracée et qui est encore pour moi aussi entre la partie sombre de l'aventure que je ne connais pas, qui s'appelle la vie, et la partie qui s'assombrit parce que c'est mes souvenirs qui disparaissent parce que je m'en souviens plus. Je pense que le rapport à la nature m'a rendu très, très perméable à tout. Et donc j'ai conservé cette perméabilité plus qu'un autre, un idéal aussi, parce que c'était des moments magnifiques, quoi. C'était un peu le Eden. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à l'art? C'est peut-être parce que ça m'a semblé le seul moyen de vivre avec cette perception du monde que j'avais, seul moyen de l'aborder, de l'affronter, de vivre avec. Le langage des buffles, le langage des campagnols, le langage des fourmis, le langage des albatros. Du arbeitest nicht allein. Welche Rolle hat Marcel? Ich bin der Levi, wenn sie schon mit ihrem Namen kokettiert. Ich bin derjenige, der sich den... Meine Arbeit wäre nie so kräftig, wenn es dich nicht gäbe. Ohne dich gäbe es die Röne Levi als Künstlerin nicht. Sie und darum sage ich, ich bin die Röne und du bist der Levi. Das Wesentliche ist meine Freiheit. Für meine künstlerische Arbeit, was wesentlich ist, immer wieder neue Orte, neue Herausforderungen. Das ist etwas vom Schönsten für mich. Ho imparato la lezione di Beckett di fallire, fallire, fallire meglio. Ho imparato a vivere l'incertezza, a restare in quella capacità che Keats diceva, la capacità negativa. L'illusione è il fil rouge della mostra, è quello che segue i vari lavori. E può essere una sintesi, può essere una conclusione, ma anche quello che con questo trenino ci riporta regressivamente all'infanzia e nello stesso tempo però ci ricorda che noi abbiamo bisogno dell'illusione, così come abbiamo bisogno dell'utopia per vivere. Was gefällt mir in New York? Das ist etwas, das sich auch von Tag zu Tag ändert. Aber ich denke, im Generellen ist es schon, ich fühle mich hier einfach wohl. Anders ausgedrückt könnte New York ja auch beschrieben werden als der Ort,
wo man andauernd oder wo ich andauernd auch Abschied nehme, gerade indem dieses Hiersein eben den Abschied auch immer möglich macht, hingehen zu können, wo es einem hinzieht, wo man hinberufen wird.